L'opposition tunisienne vend debout contre le référendum du 25 juillet. À moins de 2 semaines de l'échéance, le Front du Salut National, une coalition de formations politiques, a renouvelé lundi son appel à boycotter ce scrutin. La nouvelle copie du projet de constitution présenté par le président Kais Saied n'a pas suffi à calmer sa colère. Nous appelons les Tunisiens à boycotter massivement ce référendum et nous tenons à la constitution de 2014 que nous considérons comme l'unique constitution légale représentative de la volonté du peuple tunisien. Si aujourd'hui on instaure un régime de confusion des pouvoirs, comme c'est le cas, dans le projet de constitution, le président accapare la plénitude des pouvoirs. Donc, la garantie des libertés disparaît. Et donc, il y a une menace qui trône sur les libertés. Les opposants dénoncent un texte taillé sur mesure et redoutent le risque d'un retour à l'autocratie une décennie après le printemps arabe qui a mis fin au régime de Ben Ali.